j'ai créé mon événement Minecraft. Lors de la dernière Paris Games Week, en partenariat avec Xbox, j'ai pu créer un événement Minecraft monté de toutes pièces où n'importe qui était présent sur scène pouvait monter, jouer et peut-être gagner. Le but était simple, un triathlon, trois épreuves, du bateau sur glace, vous connaissez mon amour pour ce dernier, des élytras et du jump. Le but, c'était que ce soit facile. Donc vous verrez que les épreuves sont pas très compliquées. Et en fait, plus c'est facile, plus on a l'opportunité de voir des matchs serrés. Durant 2 heures, on a enchaîné les montées-descentes, n'importe qui pouvait participer, et à la toute fin, lors de la dernière session, les 4 joueurs avec le meilleur temps étaient qualifiés. Qualifiés pourquoi ? La finale, sur scène, juste après. J'ai passé un moment de fou, merci encore à Myvis qui a co-animé ça avec moi. Et si vous voulez plus d'événements Minecraft, LAN, sur scène ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un petit bout de bleu. Et à vous abonner. Bisous ! C'est tout ? Le seul, l'unique, le gentleman, faites du bruit pour Bichard ! Bichard ! Faites un bac de bruit ! Incroyable, ça va être toi ? Comment ça va ? Faites du bruit pour Bichard, montrez-lui que vous êtes là ! Un bac de bruit pour lui, allez, s'il vous plaît ! Lesa, ça va le train ? Tout s'est bien. Eh, je sais ça à cause de qui, hein ? Je viens de taper un sprint, j'ai... Waouh. Alors attendez, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Les gars, vous savez pourquoi on est là aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a qui veulent jouer ? Et pas n'importe quel jeu, hein. Et pas n'importe quel jeu. Est-ce qu'il y en a qui veulent jouer à Minecraft ? Ça, ça fait plaisir. Mais surtout, faut que tu leur présentes peut-être. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais même pas, moi. Ah oui, ça fait quelques semaines qu'on travaille avec l'équipe, avec Xbox, pour vous préparer ça. Et j'en suis très fier parce que ça a été de l'énergie. Je remercie toutes les équipes. Ici, sur la scène d'Xbox, vous allez pouvoir monter, jouer un maximum de 8 minutes pour essayer de battre le temps. Chaque personne qui monte sur scène, son temps est enregistré. À la fin des 2 heures, à 13 heures, on élit le grand gagnant, celui qui aura fait le temps le plus bas. Le meilleur joueur de Minecraft de la PGW, tout simplement. Est-ce qu'il y en a qui sont chauds ? Alors, je prends la personne qui crie le plus sur scène. On a 4 PC. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal ce qui se passe ici. Eh, le Mario, viens avec nous, le Mario. Tu passes à droite. Ah, t'as besoin de ton frère, t'as dit ? Alors, en plus d'être pris, t'essaies de négocier pour ton frère. Oh, toi, tu perds pas le Nord, toi. Hein. On fait monter son frère ? Allez, viens, vas-y. Wahoo ! Bon, et qui veut s'affronter face à ce duo de Mario Luigi ? On va prendre le petit juste là, toi, vas-y, viens. Ah, toi, vas-y, viens. Tout ça parce que tu l'as porté, t'as eu raison. On commence. 2, 1, c'est parti, mesdames et messieurs, c'est parti. On commence par la course de bateau. Oh. Eh oui, c'est un triathlon et on a fait incroyable. On a fait en sorte que tout le monde puisse comprendre. Je te jure que il y a un mec, il est au fond là. Il a un carnet et il trace le plan de la map sur son petit carnet là. Il dit ok, là faut passer là, faut passer là. Bon. Tout ça pour pouvoir gagner le gros lot. Alors que le Luigi est la première personne. Mais oh, t'as loupé la course des Itra, c'est en bas, frère. C'est en bas. Non. Il part dans l'espace, là. Il a pas le temps. Reviens au spawn. Il attend de visiter la map. À droite, en bas. Là. À droite, voilà. Donc première épreuve passée. T'as plus de là, avec la barre. Normal. Deuxième, là, passée dans les anneaux. Oh, ça l'a dépassé. Ah oui, et vous voyez, il y a des petites images de ma gueule qui avec marqué à droite, à gauche. C'est la petite subtilité. Je crois que je me suis craché. C'est vraiment la petite subtilité. Alors que nos amis essayent de trouver petit à petit la map. À gauche. Ah, j'avais pas vu ton image en mode. Demi-tour, à gauche encore. Voilà. Et moi, je retourne auprès de notre personne en pole position là sur ma gauche qui arrive et qui est la première personne à arriver au jump, mesdames et messieurs. Bravo à lui, qui est l'une des disciplines les plus difficiles de Minecraft. Il est très habile. Hein. Ah ouais. Ah non, alors, si tu tombes, voilà. Tu as le petit truc pour retourner au checkpoint. Alors, il faut sprinter. Hein. Voilà. Il faut sprinter. Mais la map elle est géniale hein. Voilà le premier checkpoint est fait au niveau du jump. Je rappelle mesdames et messieurs surtout que vous avez 8 minutes pour finir la map. Tu t'en sors comment ? Quentin pour le moment t'es le premier. Je te fais pas stresser mais t'es le premier. C'est pas difficile le jump. Vas-y Quentin, vas-y. C'est pas difficile. Voilà, ils ont 8 minutes pour finir la map. Alors là on arrive au moment fatidique. 7 minutes 10 hein. Ouais, on est à 50 secondes de la fin de la map. Là il faut un miracle.
Il faut un miracle pour que quelqu'un finisse cette map et se classe. Mesdames et messieurs, c'est la fin. On est bientôt sur la fin. Ah, c'est fini. Est-ce qu'il y en a un qui a fini la map? Les gars, levez-vous. Levez-vous. Ça va, c'était bien, c'était difficile. Hein. C'était un peu difficile. T'arrivais pas contre les Elytra? Non. Il était en train de découvrir la magnifique map que la Synthros nous a fait. Hein. Contrairement à vous, les petits coquins, là. Eux, ils connaissaient pas la map. Maintenant, vous, vous l'avez analysée. Ils avaient aucune excuse, maintenant. Eh oui. Aucune. Eh oui. Surtout, acheter le pass, le premier essai, c'est à 1€ seulement. Oh, stylé. Mais de... Ah, c'est magnifique. Fort. Beaucoup trop fort. Eh, criez un petit peu, faites du bruit. Faites-nous vibrer cette Paris Games Week. Tu mets deux cas, tu mets à l'aise, tu peux faire ce que tu veux. Oh, les gars. 3, 2, 1, c'est parti, mesdames et messieurs, pour la deuxième run. Hop, et le mec, il a fait un petit troll dans le chat, vous l'avez vu? Il a mis un petit sourire. Et il est trop chaud. Jibril est en train bloqué. De prendre la classique. Attention, quelqu'un le dépasse. Jibril vient tout juste d'être dépassé par Alexis, je crois. À notre droite, Mehdi, le premier et le deuxième arrivent aux Elytra parce que Alexis arrive aux Elytra en même temps, les gars. C'est hyper serré pour le moment. Allez-y doucement sur les Elytra, les amis, parce que la course est vraiment pas facile. Ils sont tous au même niveau. Hein. Et en plus, on a Mehdi qui est aussi aux Elytra, mais en fait, nos quatre prétendants sont aux Elytra, les gars. Let's nos quatre prétendants sont aux Elytra, c'est magnifique. Moi, je fais monter ceux qui font plus de bruit. Ah. Qu'est-ce que ça marche bien. Alexis qui est un peu dans la sauce parce que là... Alexis, non. Le choix passé. Pas de vitesse. Il s'était entraîné toute sa vie pour descends, descends. Ah, merde. Tu passes par où, là? Là, je... Descends. Tu visites la map aussi? Ouais, en vrai, c'est... Ah, c'est donc ça, t'inquiète pas, Alexis, on t'en veut pas. On arrive sur la POV, je crois que l'Alexis de gauche est le premier arrivé au jump. Et pour le moment, j'ai l'impression que Mehdi... Non, Jibril, il va avoir du mal. Jibril est le premier, il arrive en haut, presque à la course d'obstacles. Il est en haut. Bah, Alexis, là, t'es... Alexis qui arrive à la course d'obstacles aussi, vous la voyez. Et pour Mehdi? Ah, mais c'est pas fini. Alexis. Ah, attendez, les deux copains de Mehdi, c'est beau. Jibril est sur la fin. Jibril est sur la fin. Mesdames et messieurs, Jibril a terminé la map. Oh, 5 minutes 5 c'est pour incroyable. Jibril. Il est beaucoup trop chaud, beaucoup trop fort. Oh non. S'il vous plaît, abolissez-le. Alexis vient de terminer aussi. Mais incroyable, ils sont deux, on va finir la map. Grand gagnant pour le moment. Remets le micro. Oui. Pour le moment. Oui. Ah, Jibril, en plus, t'as un fan club. Oh, mais là, voilà. Ah. Oh là, il est fou. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Jibril, comment tu l'as sorti la map? J'ai paniqué. T'as paniqué? À la fin, je savais pas que c'était fini. Enfin, que c'était pas encore fini, j'étais en train de penser, mais c'était pas fini. Oui, bah oui, je sais pas ce que t'as fait. Surtout quand tu connais pas la map. Elle est comment la map en vrai? Elle est bien. Elle est bien, à jouer, elle est bien. Oh, oui. Franchement, oui. Ouais. Le pépite. On fait mieux que sur les compétitions concurrentes, mais on dira pas le nom. Qui veut monter sur scène? Qui veut monter sur scène? Qui veut tenter de gagner des cadeaux grâce au début de Richard? Attends. Moi, j'avoue que j'ai envie de faire un slot de gens que je connais un peu. Ah, j'avoue, moi aussi j'en ai que je connais là. C'est vrai? Bien sûr. Et bah, prends-en deux que tu connais, je prends deux que je connais. Deux que tu connais, que je connais. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont jamais joué à Minecraft. Ah ouais? Ouais. Toi, je te connais, vas-y, monte. Ah, il peut monter sur le côté en plus. Et j'aimerais bien prendre celui, la casquette rose que je connais, qui s'est caché derrière exprès. Ah là là, magnifique. A6D. Ah ouais, A6D, vas-y, viens, rejoins-nous. A6D qui. Incroyable. YouTuber Minecraft. En vrai, on fait croquer son pote. Cyriac, tu peux aussi monter sur scène. Tu te sens bien sur Minecraft? Non, pas du tout. J'ai joué. T'as jamais joué? Non. Là, il y a deux youtubeurs Minecraft avec toi. Ouais, stylé. Bonne découverte. Attends, vas-y, encore un qui reviendra plus jamais sur le jeu. C'est parti, mesdames et messieurs, pour une nouvelle run. Oh la 4 pas, mesdames et messieurs. 4. Alors, sur votre écran en bas à gauche, vous voyez Hippo qui, pour le moment, décide de tourner. Voilà. Il découvre un petit peu le système de bateau sur Minecraft. On va pas trop lui en vouloir. Un fight magnifique entre Cyriac et Xem qui arrive aux Elytra au même moment, mesdames et messieurs. Vous les voyez en haut, au même moment, ils arrivent aux Elytra. Là, vous êtes sur la POV. Ah oui, ils sont vraiment à quelques secondes d'écart, même pas, je dirais. Xem, il est trop chaud. 1 minute 23, pour le moment, c'est WR, les gars. Je vous le dis, pour le moment, c'est WR et ça va pas être facile à battre. Hein. Alors qu'on a Quentin aussi qui se débrouille pas mal qui est sur les Elytra. Et tandis que Hippo, j'arrive là. Il arrive. Hippo, il est encore sur le bateau. Il découvre Xem. Et pour le moment, la première personne à être sur le jump, la seule chose qu'il veut, c'est le gros lot. C'est être premier, avoir le score. Et pour le moment, il est bien parti. Parce que regardez, il avance de checkpoint en checkpoint. C'est la chute, voilà.
Xem, mesdames et messieurs, arrive au niveau du parcours d'obstacles. Happy Bar Espace, le jump dans les airs. C'est fini pour Xem. À quelques secondes de la fin de la map, mesdames et messieurs. Allez, encouragez-le, faites un peu plus et de bruit pour Xem. Et nous, classique. Il faut éviter l'étoile d'araignée, un peu mode Halloween. Oh là t'as là vu ça. Les stalactites. Mesdames et messieurs, allez. Xem finit la map en 4 minutes 08. Incroyable, le record est battu de 5 minutes 5. Il a fini à 4 minutes 08. C'est Syria qui arrive à la fin de la map et vous voyez, il reste juste plus qu'un obstacle à passer, c'est l'obstacle des stalagmites parce que ça monte. C'est le moyen mnémotechnique. Bravo Cyriac. La police est là un peu plus fort. 5 minutes 31. Il fait partie quand même des trois premières pour l'instant. 5 minutes 5, 5 minutes 31 et 4 minutes 08. Ah bien sûr. Et Hippo. Hippo. Qui est toujours au début du jump. Hippo, qu'est-ce que tu nous fais là? Il reste 10 secondes pour Hippo. Hippo, il faut appuyer sur le machin là pour restart. Voilà. Ah bah si on lui explique on lui a pas expliqué aussi. Personne lui a expliqué le pot. Il doit découvrir. Mais en fait ça c'est comment ne faire jamais revenir un joueur sur Minecraft. J'en ai pris deux là. J'ai pris une fille hein. Mais la fille que t'as pris c'est Cutini. C'est une tiktokeuse qui fait enfin, tiktokeuse, une créatrice de contenu. Oui. Qui fait du contenu sur Minecraft. Et j'espère qu'il fera un TikTok sur l'event. Toi qui cries comme un damné. Ouais, y a pas de... Il n'y a pas de comparaison. Il est chaud. Il y a pas de un peu au fond aussi. Et il y a le monsieur qui est en béquille là-haut. Je sens qu'il peut être chaud. 3, 2, 1, c'est parti. Juste, la POV de Joachim est folle. Pour le moment, Joachim, il est en full smurfing. Le mec, il a reconnu la... Ah, on a ouvert l'inventaire de ce côté-ci là-haut. Ah, on a Olivier qui a ouvert l'inventaire. Échappe pour fermer l'inventaire, Olivier. Échappe, Olivier. Et deux qui sont déjà aux élytras. La troisième, pardon. Nathan, Joachim, Camille qui vient d'arriver aux élytras. Mesdames et messieurs, on les applaudit quand même. Quand tu vois ma gueule, il faut suivre la flèche, ok? Il faut. Je sais que je suis plutôt beau gosse et que tu peux rester hypnotisé par mes yeux. Ne fonce pas sur moi. Voilà, c'est très bien. Il a tout à fait compris le but du jeu. On a Joachim pour le moment qui est le arrivé au jump. Et on a Nathan aussi qui est arrivé au jump. Les deux sont à peu près au même niveau au niveau du jump. Mesdames et messieurs, au parcours d'obstacles, c'est la dernière grosse épreuve. Allez Joachim, il a 3 minutes 38, 3 minutes 40. Attends, 3 minutes 40. Il peut battre le record. 4 minutes 8, c'est le temps à battre. À droite. Vas-y. Il à va gauche, peut-être battre Xem. À droite. Attention. Tout droit. Et le bouton. C'est gagné. Et voilà, on a Camille qui arrive à la fin des Elytrails qui est aussi au jump. Olivier essaye de s'en sortir. Olivier est à bien 3 quarts des Elytrails. Bravo à toi, bravo pour Nathan. Applaudissez-le, mesdames et messieurs. 5 minutes 38, je crois que si je me trompe pas, c'est un top 4. Et ça passe pas, Camille. Ça passe. Ça passe, en fait. Je lui dis, elle a prouvé que non, c'est elle peut y arriver. Elle m'a dit non. Je suis bloqué, je passe. C'est ce qu'elle a dit. Je force, mais je passe. Il y a toujours un endroit où on peut y aller. Exactement. C'est une optique de fou. Bravo Camille. Incroyable. Applaudissez Camille bien fort. Allez Olivier, on t'observe. Ils sont chauds. Car après, c'est vous qui pouvez monter sur la scène, bien sûr. Ça vous dit de venir jouer? J'ai pas entendu. Est-ce que vous voulez venir jouer sur scène? Là, ici? Dans ce setup? Oh non, Olivier. Bichard, nous avons Olivier qui explore la map. Olivier, j'aime bien Minecraft. C'est beau, hein? Olivier, il est arrivé. Ah, il est à un village. Olivier qui est parti en survie. Olivier en survie. On l'applaudit. Olivier qui découvre la map, qui est sur le point de tuer le dragon, Olivier. En speedrun, non. Oh là 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 là. Oh non, c'est terrible. Tu aurais été à la Z-Line, t'aurais été content de trouver le village. C'est vrai, c'est vrai. Je suis en train de me poser la question, est-ce que moi aussi j'essaierai pas de faire la map? J'avoue. Ouais. Bichard, franchement. Eh, vous voulez pas que je fasse la map? Franchement, Bichard. Sachant que j'ai testé juste le parcours d'Elite 3, c'est-à-dire qu'il était testable. Ah, y'a Natop là! Ah, mais Natop il veut jouer aussi. Natop? Bah ouais, c'est un youtubeur Minecraft aussi. Bah allez, ils sont tous là, ils sont tous là. Bah vas-y. Eh, franchement. Allez, viens, Natop. Tu veux t'affronter aussi? Viens. Pour ceux qui pensent que Bichard y arrive, criez maintenant. Ok, ceux qui pensent que Bichard va perdre. Comment ça? Ah, okay, je pense alors que même gars, là avec le casque, les gars, là tout de suite, attendez 2 secondes. On remonte la chaise et on est parti. Alors là, vous. Oh là là! Allez, c'est parti, mesdames et messieurs! On est parti sur la petite course de glace. Alors, par contre, le truc cheaté, c'est que je connais les cuts. On a un tricheur de ce côté! Ouais. On a un tricheur! Est-ce qu'on peut lui faire un gros bouh à ce tricheur?
Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas d'épreuve de risque. Regardez bien sa POV s'il triche. Ça, c'est sûr. Alors, hop. PGW Xbox 2, c'est lui. Voilà. Ah, c'est ça, c'est le petit mignon. Parce que je suis trop mignon. Là, pour l'instant, tu passes même en grand écran. Là, ah ouais. Ah oui, oui, tu es le seul. Je suis en démonstration, les gars. En démonstration. Ah ouais, et ben regardez, mesdames et messieurs, 50 secondes et je suis aux Elytra. Oh là là. Ah ouais. Est-ce qu'il a créé la map? On se le demande. Ah, il y a quelqu'un qui te rejoint. C'est vrai? La top. Mais la top est chaud. À ta gauche aussi. J'ai pas vu. Lulu est trop chaud aussi. Lulu. Incroyable. Eh, comment commenter, c'est plus difficile quand tu joues. Ah ouais, ça te déconcentre. Genre là, si je laisse un gros blanc et que je te laisse parler. Non, alors, j'ai pas dormi, je suis à 24 heures sans sommeil. Si je te regarde comme ça, sans parler. Non, c'est vraiment bizarre. Deux secondes. Bientôt. Lulu et Natop sont devant moi, les gars. Je connais la map, et Luzord et Natop sont devant moi. Est-ce qu'on les applaudit un peu quand même? Ils sont chauds. Allez, Bichard, Lulu, Natop sont déjà à la prochaine étape. Ils ont le doigt dernier. La biche, Bichard qui va peut-être pas taper le record. Attends, encouragez-le, encouragez-le. Attends, allez Bichard. Attends. Allez Bichard. C'est allez Bichard. Allez. C'est allez. Double vert. C'est le record. Allez. Incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut vite l'applaudir bien fort s'il vous plaît, Bichard? Alors que... qui a fait le record. Je reprends rapidement, Natop mais là aussi. À notre droite on a Natop qui arrive au stalagmite et Luzord qui vient de terminer, mesdames et messieurs. On m'en a même pas Luzord, vu. 3 minutes d'attente. Et Natop juste derrière, mais c'est incroyable. Magnifique. Oh là là, mais cette game était folle. On a un Stormtrooper ici. Est-ce que tu peux monter sur la scène? Ouais, qui pense pouvoir battre Bichard sur la scène? Venez, venez. Ouais. Non mais attends, c'est une dinguerie là, le mec qui monte là. Allez, Esteban. Allez, je lui ai promis. Attends, mais là, coups, tu sens que tu peux jouer là. How long have you had these? Tu t'assois pas? We don't need to see his identity. Tu joues debout. Ouais, bah si tu veux. Mais c'est magnifique. Mais c'est incroyable. Attends, mais franchement, imagine tu joues et il y a un mec qui te regarde comme ça. Ça va, tu vis plutôt bien? Ça va le coup. C'est vrai que c'est pas très du jeu, mais... Là, il est là pour encourager sa fille. Mais c'est quoi ce clavier? Bah attends, mais on commence pas à te plaindre au partenaire de Xbox. T'es sur scène, monsieur. S'il te plaît, sinon on te fait descendre de scène. C'est parti, mesdames et messieurs. Tenez-vous prêts. Ah, on est parti. Encouragez les mesdames et messieurs. Je vois rien. Allez. On les encourage. Mais comment on tourne? Merde, c'est pas comme en 1.8. Mais c'est exactement pareil qu'en 1.8. C'est pas pareil. C'est bon. Ah non. Mais c'est quoi ce... il est trop sensible au clavier. Oui. C'est la faute du clavier. Oh là, c'est le jeu, je pense. Ils ont pas fait la mise à jour. Et moi, si mon train il est en retard, c'est à cause de la SNCF, peut-être. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Non, c'est la faute à Esteban. C'est lui qui a trafiqué mon train. Je pense qu'on a trafiqué ton PC aussi, malheureusement. Mais pourquoi il est sensible comme ça, le clavier? Mais la question, c'est pas pourquoi c'est sensible, c'est pourquoi écoute, tu ignores. C'est rassure, les Switch, c'est les Switch. Je te le dis, le clavier. Dans le mauvais sens. Sur Minecraft, on en a deux qui rentrent dans les airs de ce côté. C'est la même possibilité. Et bah pour le moment, Jo est la première personne au jump. À Joano. Ah, excuse-moi. Joao. Excuse-moi. Oh là là, Bichard. Joao est la première personne au jump. C'est incroyable. C'est par là. Regardez. Mais c'est une telle facilité. Mais oui, mais regardez Joao. Il saute, il avance. Mais et dans quelques secondes, il est. Hein? C'est la technique en fait. Mais il va te battre? Est-ce qu'il va te battre? Non, quand même. Ah pas. Non, il est un peu loin quand même. Si, peut-être. Mais Joao arrive au parcours d'obstacle. En 3 minutes 20. Mais... attendez, parce que peut-être qu'il peut arracher un double vert là. On est à 3.40 et Joao arrive au stalactique. Il reste 10 allez, secondes. Allez, encouragez-le. 10 secondes. Joao. 8, Joao. 7, 6, 5. Et c'est fait. Oh, mais Joao a encore battu. Mais ton mais propre non. score en plus, je crois. Non, j'ai fait 3.30, détends-toi. Quand même, faut pas. Pas 49. Non. Ah ouais, attends, ouais. 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 Joao, bravo, ça va, elle était bien la map. T'as bien aimé? Ouais. Allez, du spam. Il va y arriver. Il reste plus que 10 secondes. Est-ce que tu vas finir la map en 10 secondes? 10 secondes. Attends. Allez. Allez, vas-y, on l'encourage. 10 secondes pour finir la map. 6, non. 5, il est passé. 4, 3, à droite, là. 2, non. 1. Non. Non. Oh non. Juste avant la fin de la map. Applaudissez-les, bien sûr. Bien fort. C'est la dernière fournée de champions. Oh là là là. Moi, je t'invite à prendre des cracks. Hein. Et on commence tout de suite avec l'épreuve de bateau. Et on a des compétiteurs parce que regardez, là, ils sont déjà tous collés. Hein. Ah, ça y est, ils sont vraiment pas très loin. La strat, ça se rentre dedans. Alors là, les gars, ils sont vraiment chauds. Ça se voit que c'est des professionnels. Et là, il y a du niveau. Hein. Oh, regardez le petit dépassement qu'on a vu. C'est incroyable. On a fait un petit dépassement. Ça va, ça se passe bien, les gars? Ouais. Ouais.
voit bien. Ouais, vous avez pas trop on a peur. Quelqu'un qui arrive aux élytras en premier sur notre droite. Et on a un deuxième à gauche. Un troisième ici. Et un troisième ici. Et le quatrième, attention. Et le quatrième arrive aux élytras, c'est magnifique. Oh là 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 là. Thomas qui pour le moment me semble être le premier de cette course d'élytras. Si je me trompe pas, vous le voyez sur sa POV, c'est le premier qui passe dans le bâtiment. Alors, on en a deux au jump. Si je me trompe pas, on a Nathan, c'est ça? C'était Nathan son prénom? Nathéo. Je suis pas encore au jump. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas moi au jump. C'est pas lui au jump, c'est pas lui. C'est Nolan à droite. Ah, Nolan. Ah mais je le savais. Ah non, à droite ah, oui. Là c'est Thomas. Ah non, c'est... mais tu racontes non, c'est de quoi toi? Mais j'ai dit Thomas tout à l'heure. Nolan, c'est ici. On a une mémoire. Et on a elle Théo à gauche. Théo par contre qui lui aussi est au là, jump. Théo. Non mais non alors. Alors les gars. Ils sont en train de se foutre de moi. Non, c'est Nathéo. Non, c'est Théo. Non, c'est non, Thomas. Théo, non, c'est Henri. Ah, Théo aussi mais, à la course d'obstacle. Incroyable, ils sont serrés là. C'est le grand, vous le voyez. C'est hyper serré. L'étoile d'araignée. Ils sont au même endroit. Théo arrive à la course d'obstacle et peut-être va finir allez, premier. Allez. C'est fait. Mais ah, c'est incroyable. On l'applaudit. En 3 minutes 40 et quelques. 3 minutes 40 et quelques. Et il est dans les 4 mais premiers. Mais c'est WR encore. Mais félicitations. Mais attendez, c'est incroyable ce que là. Là, les deux qui viennent de finir sont qualifiés. Des craquitos. Mais c'est vraiment des craquitos. C'est ouf. Au niveau du classement, on a Dyrix, Super Crafting, Lurox, Luzord et Tomsko qui peuvent participer. Ça va aller très très vite, mesdames et messieurs. Tout le monde a fait ses touches, tout le monde a fait son name. Il faut bien remettre leur name. Du coup, on a les 4 finalistes sur le défi de Bichard sur la scène de Xbox, mesdames et messieurs, à la Paris Games Week 2023. 3, 2, 1. C'est parti, mesdames et messieurs, pour la grande finale du défi de Bichard sur la scène de Xbox. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus regarder. C'est incroyable. Et là, regardez, là c'est tout de suite différent. Tout le monde sait maîtriser le bateau. Vraiment, ça va aller très très vite. Ça prend les cuts de temps en temps. Oubliez pas, il y a des cuts sur la course de bateau qui vous font gagner une dizaine de secondes. C'est vraiment intéressant. Ah ouais. C'est vraiment intéressant de les prendre. C'est vraiment intéressant de les prendre. Ils ont analysé, carrément. Eh oui, attends. Ils sont forts. Eh, mais ça joue. Alors, on est sur la course d'Elytra. Et vous êtes, mesdames et messieurs, sur la POV. Ah ouais, je sais pas qui. Alors là... Je sais plus qui, mais en fait, toutes les POV se ressemblent. Ça va vraiment aller très très vite. On est déjà à l'épreuve d'Elytra. On est à 1 minute 20. Lulu, ne stresse pas. Lulu, ne stresse pas. Ça va aller. En fait, c'est vraiment très sévère. Qui va arriver en premier au jump, mesdames et messieurs? C'est ça qui va nous dire. Je pense que Tomsko est première. Alors qu'on niveau, on arrive au niveau du jump. Oh, et je crois... Les touches ici. Cassé. Eh, mais Tomsko est premier au niveau du jump. Luzord est juste derrière à quelques blocs. Oh, on n'a jamais vu une run aussi serrée. C'est incroyable. Là, c'est pour ça qu'on est là sur cette scène de Paris Games Week. Tomsko est à la course d'obstacles, mais à notre gauche, on a Dizix aussi. Incroyable. On a Dizix aussi à la course d'obstacles. C'est serré, c'est serré, c'est le serré. Le PC1 et le PC4 sont ensemble à la course d'obstacles, c'est hyper serré. Dizix à Stalactique. Attention, le grand gagnant sera peut-être Dizix. Dizix remporte le défi c'est de Bichard. Incroyable. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît, bien fort? Pour le défi de Bichard, s'il vous plaît! Bravo les gars! Bravo hein! Merci beaucoup les gars, venez sur scène! Venez tous sur scène, rejoignez-nous! Venez, rejoignez-nous! Vous êtes des cracks! Dizix, tu es le grand gagnant! Tu penses que tu le mérites? Honnêtement? Et est-ce que tu as aimé quand même le défi de Bichard? Très aimé, ouais, très sympa! Félicitations, tu remportes une manette et le jeu de Minecraft! Applaudissements s'il vous plaît, mesdames et messieurs! Applaudissements maximum! Dizix qui remporte, c'est l'eau. Merci, ben merci pour l'invitation. On est bien cool. Après, je t'ai pas invité, tu t'es invité tout seul. C'est vrai, ouais, mais voilà. On t'a invité sur la scène. C'est vrai que je vous ai invité sur la scène. En attendant, moi, sur la scène, je vous remercie tous d'avoir été présents. Merci beaucoup à la team Sinistros pour le bull. Merci à Mathéo, merci à Wiz, merci à Amiral qui ont taffé sur l'event pendant 2 semaines comme des fous. Merci beaucoup tout le monde. Et merci à Bichard qui a eu cette belle idée en tout cas. Attends. Vraiment, félicitations. Et merci. N'oubliez pas de revenir à 14h pour Juzent et ensuite derrière Apex avec 8 stocks. Encore des cadeaux à gagner. Merci Xbox, merci à Paris Games Suite. Faites du bruit. Et des bisous. Eh franchement, attendez, on teste un truc. Eh, c'était un peu timide. Genre, t'as quoi comme ça là? Ça peut arriver sans prévenir, tenez-vous prêts hein. On ne sait pas ce qui peut y arriver hein. On remercie Xbox en tout cas. Bah merci beaucoup de nous et avoir les gars, invités. C'est gagné.